Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce début de live. Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue Donc dans ce aujourd'hui début de un petit live. live sur Darkloud. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. C'est ce que j'ai appelé le live de la nostalgie. Darkloud étant un jeu sorti à la base sur PlayStation 2 et avec lequel j'ai grandi. Donc il faut savoir que ce jeu est ressorti il y a quelques années sur PlayStation 4. Et donc on va jouer aujourd'hui sur PlayStation 5. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de consoles, mais voilà, donc un jeu originellement issu de la PS2, et du coup on fait ça sur PS5. Alors, ma console n'est pas encore totalement lancée, j'ai été pris un peu par le temps. J'ai essayé de faire les choses bien, je vous ai mis un petit écran de début. Et donc on démarre le jeu. Hop, on passe sur le jeu. Voilà, Hop, normalement, on passe sur on le voit le jeu. jeu. Est-ce qu'on m'entend toujours? Voilà, normalement, Hop, on passe sur on le voit jeu. le jeu. Est-ce qu'on m'entend toujours? C'est parfait. Voilà, Hop. normalement. Donc, Darkloud est un jeu action-aventure de type dungeon crawler avec des touches de gestion. Ah, et donc c'est le jeu de mon enfance. Donc, si ça vous plaît, on continuera les lives là-dessus. Sinon, bah, je jouerai simplement de mon côté. Je vais essayer de vous lire le blabla au début. Et c'est parti. Un livre a été trouvé dans de vieilles ruines. Tous les savants qui l'ont décrypté n'ont pas élucidé le mystère qu'il renferme. Un monde ayant deux lunes illumine le ciel. Les aventures surprenantes d'un jeune garçon. L'histoire est peut-être vraie. L'histoire racontée dans ce livre n'est peut-être qu'une légende. Il ne s'agit peut-être que des rêves imaginés par un jeune garçon. Je vais te dire une chose, ce vieux livre te raconte un magnifique et extraordinaire conte de fées. Le héros de cette histoire inhabituelle s'appelle. Et donc là, on peut donner notre nom au héros. Alors pour ce live, j'ai décidé de laisser les noms originaux, à moins que vous m'en proposiez dans le chat. Donc pour l'instant, étant donné qu'il n'y a personne dans le chat, pour le premier héros, sachant qu'il sera rejoint par la suite par d'autres personnes, on va laisser le nom original, donc ça va rester Toan. Si je casse pas tout, c'est quand même mieux. Toan, et on accepte. Et donc là, on a la petite cinématique d'intro. Je vais éviter de parler pendant les cinématiques, du coup je vous laisse. Ah bon, manifestement il parle pas, donc je vais faire les textes. Regardez-les. La célébration du sang. Le sang mélangé des sorcières et des humains est la clé de la fissure du sceau. J'ai quelques soucis cependant. Des soucis? Pour obtenir ce qui se fait de mieux, il faut quand même une bonne quantité. Je vois, je paierai ce qu'il faut. Cela devrait effacer. J'apprécie votre geste.
Excusez-moi, j'ai pas le temps de lire la fin. C'est prévu pour quand? C'est très bientôt. Profitez un peu de la cérémonie en attendant. Monsieur Flagg, vous connaissez la légende du génie enfermé dans une urne? Bien sûr, d'après vous, j'ai mis combien d'argent dans l'urne? Ça fait des années que j'attends ça. Il y a 400 ans, le génie des ténèbres fit son apparition à l'Est et le monde fut consommé par sa force. Qu'avez-vous l'intention de faire avec une telle puissance entre les mains? Vous verrez bien. C'est le génie! Je ne m'attendais pas à cela du tout. L'ancien génie, le voilà. Et qui êtes-vous? Bienvenue, génie des ténèbres, j'ai brisé le sceau. Ainsi, je suis ton maître. Hein? Est-ce bien vrai? Parfait. Ah, oh, je n'ai rien mangé depuis 400 ans. J'ai extrêmement faim. À manger. Miam. Trouvez. Ah, arrêtez-le, à l'aide! Bien bon, délicieux même. Bonjour, ça va? Toan, c'est parti, allons-y. Toan, c'est parti, allons-y. Tu vois, je te l'avais dit, tu aurais dû te presser un peu plus. Allez, on est en retard, j'ai un rendez-vous important, je dois partir, désolé. Elle est partie, Toan, presse-toi.
Bonsoir, Agent Cobra. Ah, c'est la fête au village. Pourquoi tu dis que je suis fou? Ah, tu l'as reçu. Ils font du bruit, les idiots. Comment sont ici? Rayon laser! Et une mourue, fin. Ohé, tu m'entends? Ouvre les yeux. Réveille-toi. Hey. Je suis le roi magicien. J'ai un pouvoir sur les esprits de la nature. Écoute-moi bien, quelque chose de terrible est arrivé. Des individus aveuglés par l'ambition ont redonné vie au démon roi. Il est encore plus maléfique qu'avant. Sa puissance est telle qu'il est capable de détruire le monde entier. Tu as vu toi-même ton village être détruit sous tes propres yeux. Pas seulement ton village, d'autres comme lui et des villes entières ont été anéantis en un rien de temps. Le monde a été coupé en deux, du jour au lendemain. Ce doit être les gens de l'Est qui ont effectué la cérémonie de résurrection. Ils envisageaient certainement de se servir de la puissance du démon noir pour réaliser un plan diabolique. Il incarne les ténèbres. Il y a très longtemps, ce même génie avait déjà presque détruit le monde. Il est vraiment mauvais et je crains qu'il détienne les mêmes pouvoirs que nous, les esprits. Malheureusement, notre pouvoir ne suffira pas pour le détruire. Jeune homme, tu sembles avoir de la volonté. Peut-être même assez pour repousser la force maléfique. Tu es généreux et bon. Tu seras peut-être capable de lutter contre ces mauvaises intentions. J'ai décidé de te faire confiance. Je vais te donner un pouvoir. Voilà. Tu es surpris ? Elle s'appelle Atlamilia. C'est une pierre dotée d'un pouvoir magique. Ne me regarde pas comme ça, je vais t'expliquer. Tu seras peut-être ébloui pendant quelques secondes. Tu sais où nous sommes ? Ce n'est pas un terrain vague, c'était ton village.
Ne perds pas courage. Tant que tu auras cette pierre, tu pourras faire quelque chose. Vois-tu, juste avant que le village soit détruit par le génie, j'ai sauvé les habitants et les édifices. En les enfermant dans des sphères. Il semble que les sphères aient été éparpillées un peu partout sous l'effet de la puissance magique. Les morceaux ont certainement été projetés vers différents endroits. Le génie croit certainement que tout est détruit. Essaie de récupérer les sphères avant qu'il s'en aperçoive. Absorbe-les en te servant de l'atlamilia magique et ramène-les. Tu pourras ensuite reconstruire le monde comme il était avant. Tu pourras peut-être même créer un monde encore mieux que le précédent. Tu n'as pas l'air de comprendre un mot de ce que je te dis. Bon, je te redirai quand tu auras récupéré les sphères. Au revoir. Toan, entends-tu? Tu devrais les entendre. Les voix du vent, des arbres, des animaux. Et les voix de la terre. Elles réclament ton aide. Toan, tu vas rencontrer beaucoup de gens et aussi en quitter beaucoup. Toutes ces rencontres te donneront des indices pour ton combat ultime. Sois attentif. Maintenant, Toan, l'aventure va commencer. Tout d'abord, rends-toi à la maison du maire. Il t'indiquera où tu dois aller ensuite. Bonjour Agent Cobra, bonjour les autres. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout va bien côté son, côté image. Je vais baisser un peu le son de mon côté. Est-ce que tout va bien? N'hésitez pas à le dire dans le chat. Je lis systématiquement le chat, hein, même si je ne réponds pas dans la demi-seconde. Donc c'est le début du let's play sur Darkloud, donc jeu de mon enfance, let's play la nostalgie. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vient de voir la vidéo d'intro qui nous explique du coup qu'un génie a été réveillé et il a détruit notre village. Il y a un magicien qui l'a sauvé et il nous a filé le gant de l'infinité pour récupérer du coup les bouts du village dans des sphères. Ah, Toan, tu es vivant. On dirait qu'il ne reste plus que nous deux dans le village. Personne ne s'attendait à cela. Notre village a complètement disparu. C'est incroyable! Je ne me sens si démuni, et pourtant, je suis le maire du village. Que vais-je faire? Il faut aller demander de l'aide au gardien de notre village, Dran. Dran ne nous abandonnera pas, je suis sûr qu'il nous aidera. Il faut que tu te rendes dans la tanière de la bête et que tu racontes ce qui s'est passé à Dran. La tanière de la bête, c'est la grotte qui se trouve sur la droite quand tu sors de la maison. Peut-être le sais-tu déjà, je m'imagine peut-être des choses, mais j'ai l'impression que la grotte a changé. Fais très attention. C'est la clé de la grotte. J'ai mis des choses qui pourraient te servir dans ton sac. Sois prudent, si cela devient vraiment trop dangereux, reviens ici. Je te donnerai autre chose. Bonne chance.
Excusez-moi, petite crise de toux. Donc on vient de récupérer la clé de la grotte, on va pouvoir aller dans la tanière de Drana. Alors. D'accord. Donc ça c'est le Duramas, c'est un truc qui va nous être utile après pour le côté gestion du jeu. Pour l'instant, son côté principal c'est qu'il permet de se déplacer très rapidement. Alors vous m'avez pas dit dans le chat, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous entendez bien? Et c'est parti pour la grotte de Drana. Alors, merci pour Agent Cobra pour le Pikachu, mais ça répond pas à ma question. Bon, j'en déduis que tout va bien. Allez hop, c'est parti. Premier étage de la grotte. Et le retour de Gandalf. Cette fois-ci, nous y sommes, Toan. À partir de maintenant, les vraies épreuves vont commencer. Commence par conquérir la tanière de la bête et par trouver Dran. C'est ton premier objectif. Puisque tu débutes, je vais t'expliquer comment te battre dans le dédale. Pour progresser d'un niveau à l'autre, tu dois trouver la clé des portes, ouvrant le passage vers le bas. Il y a une clé de porte différente à chaque fois, celle de la tanière de la blette et le blason de Dran. C'est presque toujours un monstre qui détient la clé. Pour l'obtenir, tu dois le combattre. Étant donné que tu ne sais pas lequel possède la clé, tu dois les vaincre les uns après les autres. Je vais t'expliquer maintenant comment revenir à la surface au lieu de passer au niveau inférieur. Je vais t'expliquer maintenant comment revenir à la surface au lieu de passer au niveau inférieur. Pour revenir à la surface, tu dois te connecter par la pensée avec moi, en d'autres termes, faire de la télépathie. À ce moment-là, je téléporterai ton corps à la surface, il te suffit de sélectionner l'option « Quitter les lieux » sur le menu. Par contre, s'il reste encore des monstres au niveau où tu te trouves, la télépathie ne marchera pas. Dans ce cas, tu devras te servir de la poudre d'évasion pour sortir tout seul. Le maire de Nolan en a des tonnes, alors n'oublie pas d'en prendre avant de partir. Tu peux aussi te connecter avec moi quand tu passes une porte vers un autre niveau. Quand tu reviendras dans le dédale, tu pourras leur reprendre à partir du dernier niveau atteint, sans perdre ta progression. Maintenant, les armes. Il faut que tu saches que tes armes peuvent se briser. Plus tu utilises une arme, plus elle s'use et plus il y a de chances pour qu'elle se casse. Les armes brisées disparaissent. Pour éviter que ces armes se cassent, utilise la poudre réparatrice avant. Elle récupérera leur PFP. Si tu utilises une arme en la réparant souvent, elle absorbera les pouvoirs des monstres et deviendra plus puissante. On dit qu'une arme ayant atteint sa puissance maximum peut prendre une forme encore plus puissante. Ne l'oublie pas. Je vais jeter un sort spécial sur ta dague pour qu'elle ne disparaisse jamais. N'oublie pas que toutes les autres armes que tu obtiendras au cours de tes aventures disparaîtront. Si elle se brise, ne gâche pas tes efforts en permettant que cela se produise. Enfin, le plus important, les fameuses sphères dans lesquelles j'ai placé les fragments du monde. Si tu trouves une sphère, n'hésite pas à la toucher. Tu pourras absorber son contenu dans ton Atlamina. Quand tu reviendras à la surface, tu pourras commencer à rassembler les différents fragments du monde. La leçon d'aujourd'hui a été un peu longue, c'est terminé. Maintenant, Toan, montre-moi de quoi tu es capable. Et c'est parti! Donc c'est parti. Alors, c'est quoi les touches? D'accord. Ah, les bons vieux jeux, on t'explique pas les touches. Ok. Faut faire attention avec ça. Alors j'avoue que j'ai pas joué au jeu depuis 15 ans, donc les touches ça va être compliqué. Non.
Je savais bien qu'il y avait une option de viser. Donc oui, il nous a expliqué qu'il fallait fréquemment réparer nos armes, et c'est vrai. L'un des pires trucs qui puisse nous arriver, c'est que notre arme casse. Bon, là, il nous a dit que notre dague est incassable. C'est vrai, sauf qu'en fait, si, elle peut casser. Si elle casse, elle revient niveau 1. Et on n'a clairement pas envie qu'elle revienne niveau 1. Alors si, dans le menu, je vois pas de quoi tu parles. Les touches ? Les armes, je comprends pas. Est-ce que tu peux être un peu plus précis dans ce que tu dis, Agent Cobra ? Alors le jeu est un peu rigide. Hein. C'est le jeu comme on en faisait à l'époque. Ah, ça me rappelle la nostalgie. Puis comme vous pouvez voir, le donjon est assez vide. On n'a plus l'habitude de ça. Une pierre devant. Je sais pas quoi c'est ça. Donc ça, c'est la sortie. Mais pour l'instant, du coup, on peut pas sortir parce qu'on n'a pas la clé du donjon. Alors ça, je crois que c'est un boost. Plein d'énergie. Merci, mais je sais pas à quoi ça sert. Surtout qu'il a pas soigné ma vie. Donc ce qui va être important de surveiller, c'est déjà l'arme principalement. Et on a également donc un système d'eau. Alors je sais plus à quoi ça sert. Je crois que si on a plus d'eau, on peut plus courir, quelque chose comme ça. Et donc là, manifestement, j'ai été empoisonné. Tu sais, ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est parce que j'ai la forme? Donc là, le blason de Dodran. Donc je peux maintenant sortir de la zone. Alors je vais pas forcément le faire. Non, si t'as plus d'eau, tu perds de la vie. Ouais, donc c'est plus embêtant que ce que je pensais. Voilà, je vois qu'il y a des sources sur la carte. Donc on va aller jeter un œil. Alors il me semble que pénétrer dans une source, ça redonne des gouttes. Alors j'ai trouvé la parade. Donc là ça bip. D'accord, c'est l'arme. D'accord, ça soigne également. Donc oui, j'essaye d'utiliser mon arme au maximum avant qu'elle se brise. Et avant de la réparer, parce que chaque point d'arme gardé... Oula, j'en ai qu'une, d'accord. Ah, j'aurais pensé que le maire aurait été un peu plus généreux. Donc là c'est simple, hein. Si mon arme rebip, il faut que je fuis. Non, il n'y a pas les touches. Ouais, la source de vie en charge. Ah, maison de Macho. Macho, je crois que c'est le costaud du village. Si mes souvenirs sont bons.
C'est quelle touche pour la garde? C'est R1. Il me semble qu'il y avait une esquive aussi. Mais j'ai pas trouvé. On peut voir sur la carte que dans la dernière salle il y a un point d'interrogation, donc c'est un endroit où je vais pas pouvoir aller. Un ennemi et une boule, une sphère. Donc sur la carte on va pouvoir voir les sphères et les coffres si on récupère un objet. Je sais plus si c'est dans un coffre ou en tuant un monstre. Donc il y en a un par niveau, il y a une carte par niveau également. Donc là c'est un wagon, il faut mettre de l'huile sur les roues pour pouvoir y aller. Ça permet d'entrer dans une autre zone sur laquelle il y a des choses un peu plus intéressantes. Pour courir il faut la plume de drane. D'accord, je comptais pas courir plus vite que ça. C'est parti pour le nouveau niveau. Alors je préfère sortir en fait, parce que ça va me permettre d'aller voir le maire pour récupérer une poudre réparatrice. Donc le maire il va servir un peu comme ça de vache à lait, au moins pour le début. Ah, les bonnes vieilles cinématiques PS5. Où t'as le mec qui va marcher pendant toute la cinématique. Ah ah ah. Eh bien, tu as fini par revenir avec des sphères. Très bien, je vais t'enseigner ce que je t'ai promis. Les morceaux enfermés dans les sphères peuvent être absorbés dans l'Atlamilia. En les touchant avec la main gauche, les édifices et les gens qui ont été aspirés dans l'Atlamilia retrouvent leur forme d'origine quand tu les auras ramenés à la surface. Tu pourras les placer où tu le souhaites. Tu peux rendre son apparence normale à la terre en faisant des allers-retours entre la grotte et la surface. C'est ta mission puisque tu as reçu l'Atlamilia. Continuons. Je t'avertis que je vais parler un peu de technique. Pour placer un édifice ou autre, appuie sur la touche Select pendant que tu marches et passe en mode édition. Appuie de nouveau pour revenir en mode de marche. PS2, pas PS5. Ben si, je suis sur PS5. D'accord, je joue à un remake PS4 d'un jeu PS2 sur PS5. En mode édition, tu peux reconstruire les édifices qui se sont écroulés et leur trouver un emplacement. Il faut le voir pour le croire. Essaie, tu vas voir. Il faut moins de temps pour le faire que pour le dire. Ah oui, si jamais tu es coincé à un moment ou à un autre, sers-toi de ça. Manuel. C'est le manuel d'utilisation de l'Atlamilia. Je l'ai rédigé pour les débutants comme toi. Tu peux sélectionner manuel sur le menu principal. Lis-le avec beaucoup de soin et tu comprendras. Bon, maintenant, à toi de jouer. Je garderai toujours l'œil sur toi. Ha ha ha. Salut. Alors j'ai essayé de donner des voix aux personnages. Dites-moi si vous aimez ça ou si vous préférez que je lise normalement. Donc grosso modo on peut aller comme ça dans l'assemblage. Et on va pouvoir poser des trucs. Donc là par exemple vide, musculation quotidienne pour corps bien taillé. Et petit mais costaud. Donc ça va être l'un de ces bonhommes là je pense. Macho, voilà. Et je peux placer du coup la maison, les étangs, les routes, les rivières. Donc ça va être vraiment la partie gestion. Voilà. On va placer Macho près du maire. Et on va pouvoir terminer, oui. Voilà.
Donc oui, il y a des petits coffres du coup sur les bâtiments qu'on place. Pour l'instant, je vais pas placer les arbres, les temps, etc. On va essayer de faire un truc à peu près joli. Donc voilà la maison de Macho, dans laquelle il va manquer des trucs. Il y a des choses qui vont s'améliorer avec le temps, des objets à remettre dedans, qu'on récolte du coup dans les sphères. Et on discute avec Macho. Oh, Toan, tu m'as beaucoup manqué. Une journée ne peut pas être complète pour moi, si je ne vois pas ton sourire. Bon, rien à dire. On retourne vers le maire. Dran est notre espoir. Dran s'est toujours occupé de nous. Je suis sûr qu'il nous protégera et qu'il nous aidera encore. Malheureusement, même le moulin de Dran est détruit. C'était là où il puisait sa puissance magique. Hé, tu veux pas me filer des trucs ? Voilà. J'ai mis les objets dans ton sac, fais attention, d'accord. Nickel. Donc là, normalement, il m'a redonné de la poudre de réparatrice. Ok, donc on a une poudre réparatrice, 3 pains qui vont nous permettre du coup de regagner notre vie et 2 eaux goûteuses. Ainsi que du coup la poudre d'évasion pour fuir. Une arme et pas d'accessoires. Je sais même pas ce que c'est les accessoires. Donc voilà un peu le jeu, ça va être des allers-retours entre le donjon et des phases de gestion où justement on va placer les habitations, etc. Donc voilà, est-ce que pour l'instant, de ce que vous avez vu, le jeu vous plaît ? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Manifestement, Agent Cobra aime les chats. Bon, bah, on a direct trouvé la sortie. Des Yamish. Alors, ça, c'est très intéressant de savoir où se trouve la sortie. Parce que si on a plus de vie ou ce genre de choses, on va pouvoir s'enfuir. À condition bien sûr d'avoir le blason de Dran. Donc pour pouvoir s'enfuir, il y a deux choses à avoir, c'est le blason de Dran et savoir où se trouve la sortie. Donc là actuellement on en a la moitié et c'est plutôt cool. Ah voilà, nickel. Donc si jamais on a besoin de fuir, on peut le faire. Parce que ça pour l'instant c'est les premiers niveaux, mais on va pouvoir se retrouver dans des niveaux beaucoup plus grands, avec beaucoup de plus de monstres et des monstres plus puissants. Et là, des fois, on va avoir le cas de, ben, j'ai plus de vie, qu'est-ce que je fais? Et si on sait pas où est la sortie, ben, on peut pas sortir. On va être obligé d'utiliser une poudre d'évasion. Le problème, c'est que si on fait ça, ben, on peut pas accéder au niveau suivant. La seule manière d'accéder au niveau suivant, c'est vraiment de passer par la sortie. Barre à disque. Donc certainement un objet qui va aller dans la maison de Macho. Attends. Ah, j'ai mon arme qui commence à biper. Au supérieur. Ah,
quoi comme ennemi là? Une chauve-souris des grottes. Alors je peux sûrement tuer la chauve-souris. Voilà. On va pas jouer plus la chance parce que je sais que les chauves-souris je les tue en un coup. Donc ça se tente. Pour le reste, on va pas le faire. Donc là, je commence à avoir perdu pas mal de vie. Les chauves-souris sont difficiles à tuer sans perdre de vie. Lama, d'accord. Donc là, la technique, ça va être de... soit de trouver de l'eau pour me guérir, soit je risque de finir par prendre un pain. Ça serait mieux de l'eau parce que du coup j'ai soif également. Et comme vous pouvez voir, là j'ai pas récupéré le truc pour savoir où se trouvent les items. Donc je sais pas s'il y a une source d'eau, d'eau proche ou pas du tout. Lampe. Oula. J'ai soif, mon corps commence à s'affaiblir. On va essayer de surveiller ça. Donc là j'ai récupéré la clé squelette. Vivifiante. Ce serait bien que je trouve une source d'eau. Après, il n'y en a pas forcément dans tous les étages. Ben, parfait. Plein d'énergie. Roulotte de Jules. Donc voilà, là j'ai le cristal magique, donc il va rester 3 monstres. Et des boules. Je présume qu'on a la carte là-dedans. Carte qui nous est très utile maintenant qu'on a tout vu. Alors Agent Cobra me dit j'ai de la chance. Pourquoi donc ai-je de la chance? Parce que j'ai trouvé un lac. Après il était au dernier endroit. On est dans les premiers niveaux, je me suis dit il y a très fortement de chance qu'il y ait un lac. Sinon j'aurais pris mon eau, c'est pas grave. Enseigne en poche. Non, là ce que j'aimerais beaucoup gagner c'est une autre arme. Parce que la dague de base est bien sympathique, mais la dague de base ne s'améliore pas. Elle peut monter en niveau mais on peut pas la booster. Et franchement elle est pas exceptionnelle. Son seul intérêt c'est qu'elle casse pas. Enfin, du moins, elle ne peut pas se briser complètement. Ah, bonjour à la personne qui nous a rejoint sur le chat. Donc, petit live de la nostalgie sur Darkloud. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le jeu, si vous l'avez déjà fait. Salumère, blabla. Voilà, il nous a remis des objets dans le sac, nickel. Donc je pense qu'on va venir le voir à peu près à chaque fin d'étage. Hein.
Manifestement, pour faire un état, je suis obligé de cramer une poudre. Ah, j'en ai un. Nuit. Alors, assemblage, est-ce que je peux assembler de nouveaux trucs? J'ai la roulotte de Jules. Hop. Mini macho, il doit aller là. Alors pour le reste, il me semble que je dois aller discuter avec les gens pour qu'ils me disent ce qu'ils veulent dans leur maison. Alors tu sauvegardes pas, très bonne idée. Le problème c'est que je sais plus comment sauvegarder. Que s'est-il passé exactement pendant cette journée du festival là? Je sais qu'il y a eu un éclair dans le ciel et que les maisons ont disparu, mais je ne me souviens de rien après. Salutations. Comment souhaites-tu la construction? J'aimerais que l'emplacement de la maison me permette de faire de l'exercice. M'aideras-tu quand ce sera terminé? Je te ferai un cadeau. Quand tu... N'oublie pas la barrière et la lampe, nous sommes des gens bien, nous en possédions avant. Écoute, j'aimerais bien avoir plus d'espace, ah oui, mais aussi la barre à disque dehors. Donc ça, je l'ai récupéré. M'aideras-tu quand ce sera terminé? Tu devrais plutôt t'adresser à mon frère. On va tuer, c'est long. Ok. Et il dit rien d'intéressant. Alors tu sauvegardes pas, du coup je présume c'est start sauvegarder. Non, comme ça. Enregistrer. Alors c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'enregistrer maintenant avec tous les jeux qui ont des enregistrements automatiques. Ça va me faire bizarre. Mais merci à Jean Cobra de nous y avoir fait penser. Donc lui il veut une augmentation, c'est fait. Une barrière. Une lampe. Et la barre à disque. Ouais, toi, tu as réussi. C'est parfait, notre maison est comme avant. Tiens, c'est pour toi. Prends ça. Brise roche en poche. Hé, c'est à moi. Hé, petit frère, qu'est-ce que tu fais? Comment? Je te le dis toujours. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à moi. C'est comme ça que ça se passe entre grand frère et petit frère. Crrr. J'en ai vraiment assez. Viens frangin, réglons ça par la bagarre. Ah, avec plaisir. Je parie sur le petit. Sac de frappe, ouais. En gros, le gars voulait sa chambre. Alors, je me permets de fouiller parce que des fois, il y a des petits coffres et des trucs comme ça. Pareil, là, on a posé des nouveaux trucs dehors, donc on sait jamais. Non, ça a pas l'air. Ok. Donc on a la roulotte de Jules, mais on possède pas Jules, à moins que ce soit lui, Lama. Donc vous voyez, hein, c'est la même forme, on peut pas le mettre dedans. Donc la roulotte, il y aura sûrement l'enseigne. Et avec les... Donc on a des étangs qui permettent de pêcher normalement. Ah oui, effectivement, j'ai pas de canne à pêche. Si on pêche, du coup, on peut récupérer des trucs. Dont le dino tueur, le frappe revenant, le tueur marin.
Bref, plein de trucs dont j'ai pas les points de pêche. Il me semble qu'on en gagne pas beaucoup. Donc éventuellement, entre ces quatre, on pourra se faire un live pêche. Mais bon, ce sera pas pour tout de suite. De toute façon, j'ai pas la canne. Donc j'ai bien récupéré ma poudre. Je pense qu'on va faire encore un niveau ou deux. Et puis on s'arrêtera là pour ce soir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, je regarde le chat. Bon, si je suis dans l'action, je vous répondrai peut-être pas tout de suite, mais n'hésitez pas à marquer des choses dans le chat. En particulier, c'est pour me rappeler de sauvegarder. Encore merci à Jean Cobra. À Jean Cobra qui est un peu tout seul dans le chat. Me revoilà, tout va bien. Ne me regarde pas comme ça, c'est pour ton bien. Voici une leçon bien utile, écoute bien car je ne le répéterai pas. Parlons du verrouillage. Tu sais que tu peux appuyer sur la touche rond pour verrouiller sur l'ennemi. Un cadre rouge apparaît sur l'ennemi tant que tu es verrouillé dessus. Par contre, tu ne sais peut-être pas que les fonctions des touches L, R1 changent pendant le verrouillage. Si tu appuies sur L1, tu verrouilles sur un autre ennemi. Si tu appuies sur L1 plusieurs fois, tu passes en revue tous les adversaires visibles. Tu peux aussi appuyer sur R1 pour te mettre en garde, cela te permet de te protéger des attaques. N'oublie pas cette fonction car elle pourrait te sauver la vie au combat. Connais-tu aussi la fonction des changements des attributs d'une arme ? Elle est très spéciale. Il y a 5 attributs, feu, froid, foudre, vent et magie. Chaque monstre est sensible à l'un de ces attributs. Pour changer l'attribut d'une arme, sers-toi de l'option attribut ou adapté sur son menu. Il est bien évident que tu ne pourras pas disposer de l'attribut s'il n'y a pas suffisamment de points. Qu'est-ce que tu en penses? C'est facile? Je ne veux pas te donner mal à la tête, alors je vais arrêter là. Bonne chance, mon garçon. Très bientôt. Alors ça, je trouve ça intelligent. On a toutes les options qui sont débloquées. Je pouvais clairement viser les monstres avant ça. Mais il nous apprend les trucs les uns après les autres. Donc ça peut permettre... Ah oui, je peux l'améliorer. Ah, DAC plus 1. Alors c'est un peu bête ce que j'ai fait, hein, mais c'était volontaire. Parce que du coup, j'aurais pu mettre des trucs et lui équiper avant ce qui aurait rendu l'arme plus puissante. Mais bon, là, c'était pas le but. Donc là, vous voyez, elle vient gagner 1 en endurance. Et là, impact sur les monstres de pierre et de roche. Donc je sais pas ce qu'elle gagne exactement, voilà. Ici, elle gagne de l'anti-roche. Et donc, ces pierres-là que je mets sur l'arme, en l'améliorant par la suite, ça va rendre... ça va être absorbé par l'arme. Bon là, comme c'est la dague de début, j'ai pas vraiment envie de perdre mes trucs. Donc on va attendre un peu. Ah. Donc là, un grand coffre. Dans les grands coffres, on peut trouver des armes, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai récupéré le brise-roche, sachant qu'il y a des monstres de roche juste à côté. C'est intéressant. Alors, essayez de déjouer le piège. Supposons qu'il s'agisse d'une explosion. D'accord. Je pense que c'est un sort. Parfait, le Gladius. Gladius, donc l'une des premières armes qu'on peut récupérer. Il me semble que c'est l'arme des squelettes. Ah, je peux pas bouger parce que je me suis pris le sort. C'est pas grave, on la mettra plus tard. Et donc ça, on va pouvoir la transformer. Alors je sais plus comment on fait. Voilà, il faut des informations. Donc je sais plus, il y a marqué... il faut un certain nombre de trucs pour l'améliorer.
Voilà, donc là, il faut améliorer les trucs qui sont rouges. Là, je suis content d'avoir mon Breeze Rush parce que de mémoire, ils sont très résistants. Ah. Donc là, ma dague est en niveau 1, j'ai pas très envie qu'elle se casse. On va la réparer. Ouais, 6 de gold. Je suis pas prêt d'acheter quelque chose. Là, j'aimerais bien un truc qui me soigne de mon sort, mais je suis pas sûr qu'on puisse tomber là-dessus dans un donjon. Poudre de remplacement. Alors, je sais pas ce que c'est. La soif qui arrive, c'est génial. Poudre réparatrice, ça, je suis presque déçu d'en avoir une, parce que comme j'ai une poudre réparatrice, il va pas m'en redonner une, le maire. Donc ce sera peut-être intéressant de la consommer. Il n'y a pas un petit lac dans le coin. Donc là on peut voir, hein, ma vie est en train de descendre. Doucement mais sûrement. Ah, il y a un lac, mais d'accord, il est de l'autre côté. Bon. Je vais être obligé de consommer de l'eau. Ah, bon, bah je viens de me faire one shot. C'est génial. Alors je pensais l'esquiver, mais le gameplay est dur. Alors manifestement, non, j'ai toujours ma boîte à bonbons, donc j'avais pas récupéré grand chose. Je suis sorti, à l'air de rien avoir eu. D'accord, bon. Il a l'air de rien avoir eu de néfaste à ma mort. C'est peut-être parce que je suis au début du jeu. Je vais quand même comparer les armes. Ouais, celle-là est quand même mieux. Bon. Je suis un peu surpris que ce soit rien passé. J'aurais sûrement dû me soigner, je pensais pas qu'il ferait aussi mal. Je prends note pour la prochaine fois. On y retourne, on n'a rien vu. On dirait que je l'ai fait du premier coup. Je compte sur vous dans le chat. C'est le retour des lives de la mauvaise foi. Ah, et bonjour à la personne qui nous a rejoint. N'hésite pas à marquer des choses dans le chat, je lis tout ce que vous mettez. Donc là du coup je vais récupérer les trucs sur cette arme là pour les mettre sur ma nouvelle arme. Agent Cobra qui m'a dit de sortir, il avait bien raison.
Manifestement, il a plus d'expérience que moi là-dessus. Alors, transformer, qu'est-ce qu'on a? Une arme anti-poisson, c'est pas intéressant. Et celle-là, elle a l'air quand même beaucoup mieux. Donc on verra. Bon, ça tue toujours en trois coups. Ça me va bien. Il y a du poison, c'est génial. Ah, ça commence bien. En poche. Oh, et notre grand ami. Oula, ça m'a fait un truc bizarre. Petit moulin. Hein. Bon, on s'en sort bien. Alors, j'ai pas la clé squelette. Est-ce que j'ai de quoi soigner le poison ? Antidote. J'espère que le maire nous enfilera. Oh, il y avait un lac ici. Dommage. Ah, ça sonne pas du poison. Là. Ouais, je suis un peu dans une position où c'est dur de me battre. Oh non! Voilà. Je viens de détruire mon Gradius. Ah, ça fait très mal. Surtout que du coup, j'ai perdu les trucs qu'il y avait dessus. Bon bah écoutez, je crois que ça va partir sur une reload de la save. Hein, J'avais même pas sauvegardé avec mon Gradius, je suis dégoûté. Ah, j'avais zappé que les bons vieux jeux étaient durs comme ça. Bon. On va essayer de quitter le jeu et de revenir. Je sais pas comment ça marche. Ouais, parce que j'ai quand même perdu des objets intéressants. Bon, on va quand même finir le donjon. On va finir le donjon, mais je pense que je vais quitter sans sauvegarder. Bon bah écoutez, il va falloir que je reprenne du skills. C'est pas grave, écoutez. Ça m'a fait plaisir de rejouer à ce jeu-là. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Si vous voulez dire des choses dans le chat, on peut discuter un peu. Sauf sur le skill de nom, mais non, je vais pas sauvegarder.
Parce que du coup, comme ça, je garde les objets, même si j'ai quand même perdu le Gradius. Ah, j'avais oublié que les jeux étaient aussi punitifs à une époque. Alors, comment on quitte, par contre? Bon. Prochaine étape. Ah. Supprimer, fermer le jeu. Voilà. Donc c'était Darkloud. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans le chat si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Donc voilà, j'attends vos questions, vos remarques dans le chat. Ah, manifestement, Agent Cobra, qui est le seul à discuter, a apprécié. Donc je pense comme ça vous proposer deux lives. Donc un live. Merci Xavatis, effectivement j'ai perdu. J'ai perdu le jeu, j'ai perdu Darkloud. Donc. Et t'arrives à la fin du live. C'est ballot, t'as une heure de retard. Donc je pense comme ça streamer sur deux jeux différents. Pour l'instant Darkloud sur un peu un let's play nostalgie et sûrement un autre jeu. Alors je pense partir sur du The Last of Us partie 1 pour l'instant, donc un jeu que j'ai jamais fait, donc comme ça tourner sur deux jeux, un jeu nostalgie, un jeu que j'ai jamais fait, donc nostalgie découverte. Donc pour l'instant j'ai pas de jour fixe, ça arrivera peut-être, on se fera peut-être un jour nostalgie, un jour découverte. N'hésitez pas à mettre dans le chat les jours qui où vous voulez me voir streamer. J'essaierai de faire en fonction. Donc voilà, fin du live d'un point de vue jeu pour moi. Après, si vous voulez discuter dans le chat, je reste un peu. Voilà, voilà. Bon ben si personne ne dit rien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour mon prochain live. Au revoir.